Nous sommes dans une phase de libération, c'est-à-dire tu dois libérer tes victimes. Sinon tu as déjà fait des aveux, on a appris ça et tout ça. Maintenant qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas présentes, qui sont maintenant présentes, il faut maintenant les libérer. Parce que la Bible dit que tu connaîtras la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Selon la parole de Dieu, chaque homme de Dieu a sa spécialité. L'autre spécialité, c'est la destruction des œuvres associées. Vous savez bien gâter, vous ne savez pas arranger. Et nous ne jouons pas avec la programmation, c'est ça. Quelqu'un a été programmé, on dit non, on va prier comme ça. Non, non, c'est toi qui as programmé, c'est ta parole que tu vas prononcer, et puis nous allons déprogrammer. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait, à qui? Vai, 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 vai
ça, on va voir. On va voir. On va voir. C'est son âme qui vient pour aussi. Je peux voir où elle est. C'est vendu la Bible. Tout ça arrivé, il doit même j'ai posé la main sur son cœur. Voilà. Et j'ai pris son âme. Voilà. La Bible est où? C'est vendu la Bible. Je vais nous promener. Il prend les gens. Et qu'est-ce que tu as fait de l'âme? Tu vas voir les pages d'Élisée. Par où on va voir les pages d'Élisée? J'ai pris son âme, j'ai donné ça à la femme. La mère qui Elle avait te donné sa viande. C'est un grand cri. Elle t'a donné un grand cri. J'ai eu peur de ne pas me le dire.
Même si c'est ici, tu vois. Ah, père, tu es père de quelqu'un. Non, on voit même pas le visage. C'est pas bon de vivre ici. C'est pas bon pour nos images. Ça va sur le chaîne. Mais tu peux attendre là.